On en vient à cette visite hautement symbolique, celle du pape François. Visite donc aujourd'hui à la grande synagogue de Rome, 6 ans, jour pour jour. Après celle de Benoît XVI, François sera le 3e souverain pontife de l'histoire à visiter la synagogue de Rome. Écoutez à ce propos les explications de Louis de Lavessière, journaliste spécialiste du Vatican. Les enjeux, c'est de confirmer un dialogue déjà très important, de lever peut-être certaines ambiguïtés dans le dialogue entre judaïsme et catholicisme. Et le pape François ne peut absolument pas être soupçonné d'être réticent sur ce dialogue. Au contraire, dans sa vie précédente de cardinal de Buenos Aires, il a montré à de multiples reprises son grand intérêt pour le judaïsme. Il a comme amis plusieurs rabbins, le rabbin Skorka de Buenos Aires, etc. Donc il vient confirmer une ligne qui est la ligne du Vatican depuis la déclaration Nostra Aetate de 1965, une ligne qui était renforcée déjà par les deux visites du pape polonais et du pape allemand. Et donc, ça sera sûrement il tiendra des propos très chaleureux, ce qui n'empêche pas certains points de friction.